Et si on faisait un petit tour en Division 2 pour quelques matchs de qualité? Et le premier de cette soirée, pour ceux qui font la soirée dans l'antre, c'est NUMI contre Akos Squad. Bonsoir à tous, vous êtes sur Casternest pour la Watch Cup, le tout nouveau nom de la compétition française qui regroupe la plupart des équipes avec comme partenaires Overtone et GeekTouch. Ce soir, je suis avec Kamixo. Bonsoir Kamixo. Bonsoir mon cher Marquis, comment vas-tu? Super. Super, et toi, franchement, j'ai hâte de voir ces matchs. On a deux matchs de division de très très bonne qualité. Enemy et Akko Squad qui sont sur un niveau à peu près similaire actuellement dans la Watch League. Je crois qu'ils sont à peu près à un score similaire. Si on fait un petit tour sur le classement de cette division, il faut déjà que le site Watch Cup charge. Mais malheureusement, il ne chargera pas. Ah, si, c'est bon, il vient de charger. Ah, du coup, je regarde simplement les résultats pour vous faire une confirmation. Et Enemy est à 5-1 actuellement et Akko Squad à 2-3. Donc chacune de ces équipes a eu l'occasion de récupérer des victoires. Et mais je pense quand même que Enemy va avoir un petit peu le dessus. Et sûrement avoir durant ces prochains matchs. En tout cas, on va tout de suite savoir concernant les drafts qui vont, je pense, avoir lieu dans 2 secondes. Oui, on a 22 secondes. Ça y est, c'est parti pour les drafts. Effectivement, un draft qui est Alors, lancé. pour l'instant, c'est Ilios qui a été banni du côté ennemi. Alors, on va Alors, j'ai pas directement encore deviner d'infos des pour ça. KOTH qui Ouais. peut poser problème de temps à autre parce que c'est une KOTH qui est très très ouverte finalement, Kamixa. Absolument, absolument. Je pense qu'on a l'air de ne ouais, de pas aimer vraiment les cartes ouvertes, ni les KOTH côté ennemi. En tout cas, on a Ah déjà oui. gagné Oasis et Ilios, deuxième KOTH qui saute. Après, ça sort plutôt les maps contrôle qui sont vraiment les plus ouvertes. Oasis, c'est le règne de la Phara Mercy. Peut-être que chez Enemy, on n'a pas une Phara Mercy très très compétente. Ou alors là, on est vraiment en train de viser les contrôles. Effectivement, Népal qui est sorti. Akko Squad qui vont ensuite mettre leur prochain mal sur Rousseau. Ouais, on va absolument pas jouer les contrôles côté Enemy. Hein. Là, franchement, des fois, je dis qu'une équipe, elle vise un mode de jeu. Mais là, je peux pas le dire autant que là. Absolument, là, l'exemple même de l'équipe qui n'aime pas les KOTH. Est-ce qu'on aura ensuite les bannes classiques, je vais te dire, Volskaya, Junkertown, qui sont des cartes souvent bannies. Je Ouais. pense que Ah, pour l'instant, on peut ça reste, attendre à les hein, voir avec Dorado sauter. qui sort. Iconvald, c'est un ban un peu plus classique. C'est une hybride qui est très très spécifique finalement. C'est ça. Blizzard World également, dernière carte sortie dans le jeu, suivie de près par Volskaya, ça y est, qui a sauté. Oui, il reste pas mal de CP, hein, si tu regardes Horizon et Temple d'Anubis. Hein. Je sais que Enemy. Ils jouent pas mal Anubis pour avoir eu l'occasion de regarder un petit peu leur game. Ils ont des stratégies assez spécifiques avec du Faucheur notamment. Horizon est ban par ennemi. Maintenant, à Akko Squad, peut-être qu'ils vont sortir eux-mêmes Anubis. Mais je vois encore Junkerton dans le map pool. Absolument, je pense que là le pool final ce sera dans Valak, ce sera Kings Hollywood et Anubis, Junkertown qui allait sauter. C'est bien ce qu'il me Du coup, on semblait, en choisit tout les cas, j'ai cartes. même pas le temps de finir ma phrase. Dans cette Watch Cup, Hollywood, du coup, sera la première map qui sera jouée côté ennemi. Akko Squad, je serais pas étonné qu'ils prennent King's Row. Et non, ce sera Anubis, du coup. Donc, on commencera par Hollywood, on ira ensuite sur le temple d'Anubis. Et si besoin, on départagera les deux équipes sur King's Row, mon cher Kamixo. Ennemi, du coup, on les connaît depuis un petit bout de temps. C'est une structure qui existe depuis pas mal de temps. Et on a un draft très très particulier. En effet, absolument. En tout cas, je suis très content d'avoir du King's Row. Bon, j'en vois vraiment, vraiment souvent King's Row. C'est une des cartes, je pense, les plus jouées en tournoi. Mais une carte qui est préférée par la communauté, qui est aimée par beaucoup de joueurs, notamment les grands compétiteurs du jeu, et qui sait faire ses preuves, vu que c'est une hybride, pardon. On voit vraiment les différences de gameplay entre les défenses, les prises de points, le fait de faire avancer le payload. Tout ça montre vraiment une belle synergie d'équipe. C'est là qu'on voit les meilleures équipes, je pense, les hybrides. Ah, absolument, là, parce que comme tu as deux styles de jeu, souvent les cartes hybrides, c'est là où tu peux vraiment changer de style de jeu à quelque soit selon la partie de la carte en fait. Sur Iconvald, tu commences plutôt sur une composition dive et agressive. Puis ensuite, tu C'est ça. arrives soit dans un château, et là par contre, faut jouer des tanks. C'est ça. Et souvent on voit le retour de la quad tank hein, d'ailleurs sur les dernières phases de payload. En tout cas, on est parti sur Hollywood. Effectivement, on est dans la game. Et ennemis du coup qui commenceront en défense. Akko Squad en attaque. Et déjà, pour commencer, on aurait potentiellement une Orisa du côté de Kika.
Intéressant. Alors que je vais peut-être avoir un reboot PC à faire de mon côté. J'ai quelques soucis. Ah. Enfin, pas un reboot PC, mais un reboot jeu, tout simplement, effectivement. On va call la Moi aussi j'ai pause des problèmes. et on va faire ça tranquillement mais sûrement. C'est un diaporama, mesdames et messieurs. Ah là là, c'est Je ne la suis pas le catastrophe. seul à Ouais, on n'est pas le seul, hein, rencontrer des évidemment. problèmes. C'est le cast. C'est le cast du futur, les amis. Hein, attention. Les problèmes techniques, ça n'existe pas seulement dans un autre monde. Il y a toujours quelque chose qui va mal aller. Absolument. Parce qu'on voit toujours un staff toujours prêt à dégainer. Je fais une pause Ah ouais, très bonne au pause, début de la hein. game. Je regarde Absolument. Du coup, toi qui es encore les en équipes. game, on a quoi au niveau des pics pour l'instant? Est-ce que tu peux nous Ah, en je ne suis parler? plus en game. Je relance aussi mon PC. Comment ça, t'es plus en game? Non, je relance aussi mon jeu Ah actuellement. d'accord, bah dans ce cas, on sera deux. J'en profite aussi. C'est pour ça. J'en profite aussi pour relancer mon jeu pour être Mon sûr de ne maxi pas avoir maximiser les une framerates, fest. maximiser la connexion, évidemment. C'est ça. Parce que là, on peut sortir. On a perdu Kamixo. Ouh là là. Ouh, le petit micro qui glisse. Ah, la montée de lag, Aïe très aïe marrant. aïe, c'est la décadence. Je suis en train de revenir du coup tranquillement du coup. On s'excuse pour ce petit contretemps du coup. Dans, je pense, dans la minute qui suit, on sera à nouveau entré dans la game. Hop, et... Je vais t'inviter au passage du coup, évidemment. Je vais bien. Ah, t'es déjà invité, Hop. pas de soucis. Et du coup, on est de Et retour du voilà. coup pour Hollywood de cette première game de ce BO3 entre les Hacker Squad et les ennemis. Du coup, on lâche le ready. Nous sommes arrivés. C'est parti, mesdames et messieurs, du coup, avec du coup l'ennemi toujours en défense. Il y a toujours la Orisa de sortie. C'est un pic qu'on voit de temps en temps sur Hollywood. Et finalement, on préfère un Reinhardt, on préfère jouer Tyf. Mais pourquoi une Orisa plutôt sur Hollywood? Est-ce qu'il y a vraiment une raison? La raison, je ne la connais pas. Écoute, symbolique, c'est une stratégie de prêtre, peut-être. En tout cas, Attends, 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 c'est attends, 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 quoi? attends, 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 attends. J'ai des problèmes de PC, c'est quoi? J'ai quelques soucis de PC, je sais pas ce qui se passe, attends. Gestionnaire des tâches, parce qu'on a, on est en mode diaporama et pourtant. Qu'est-ce qui peut être lancé qui pourrait poser problème? Voyons voir. Ah, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Attackers Allez, incoming in on 30 voir. seconds. Ah oui, c'est toujours le diaporama. Qu'est-ce qui peut poser problème? Je regarde. Ah, du coup, donc on a gardé la Orisa côté défensif, côté Akko Squad. On partirait sur une quad tank en attaque, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps, ça. Ouais, en tout cas, on n'a pas gardé on n'a pas gardé la Orisa chez la Squad. On a viré pour un Lucio. On part sur une Quadra Tank Zarya Reinhardt D.Va Chopper, qui va, je pense, être relativement dévastatrice vis-à-vis de la compo qui est en face. Effectivement, alors qu'on commence à s'avancer côté Akko Squad avec la Quad Tank, la Zarya qui est plutôt bien tournée, mais Cap a déjà pris le premier kill sur Owen Baby. Et là, tu perds un de tes soigneurs, la Quad Tank ne peut plus avancer. Dr. Zodberg va également perdre le mecha alors que le diaporama est terminé et vous avez un véritable jeu devant vous. Magnifique, on peut ainsi voir le retour de Hammerkick dans son casque Allez, let's au top go! de sa forme. C'est un plaisir. En tout cas, c'est maintenu pour la défense, Ouais, exécuté il avec joue le café. On a Cap qui fait un peu de tranquillement son calme. spa. Derrière le bouclier de la Orisa, du coup, le bouclier est statique. Sur ce café, je pense, c'est la raison pour laquelle on a pris cette Orisa pour vraiment contrôler cette poterne. C'est ça, en tout cas, on a les ultis qui chargent très vite d'un côté défenseur, on a quasiment pneumatique, on l'a, ça y est, à l'instant. Au moment où je le dis, on va peut-être même bientôt pouvoir claquer la pulse bombe d'ici un moment si notre cher ami Slaters se décide à charger. On lance le pneumatique, ça y est, c'est parti. On Et espère ça arrive récupérer des de kills filer importants. hauteur, alors que là, le squad fait le contrôle sur cette hauteur. Ça va directement être géré par L1, alors qu'on arrive directement sur le poids. On a la discorde sur ce Reinhardt, mais il y aura une connaissance pour tenir en vie justement ce croisé. La charge à l'intérieur qui ne passera pas, et pour l'instant, les hackers squad sont sur le poids. La force d'Agobert a été forcée.
Absolument, une transcendance qui m'a l'air fortement efficace et qui en tout cas neutralise totalement, coûterait par le mur du son de Lucio. Tout est relancé à présent maintenant. On a l'air d'assister vraiment à un combat relativement décousu. Les outils sont claqués d'un peu partout pour essayer de gérer, mais ça a l'air d'être relativement la cohue, même si on peut voir une très nette. Ah, ça y est, ça commence à se défaire avec une victoire des attaquants. Ouais, Taylor qui prend le sur le renard de Salmon HQ. Il va d'ailleurs coller la bombe sur Owen Baby. Et c'est bon, on va se débarrasser de ce moustique. On va peut-être pouvoir revenir à temps côté ennemi. Peut-être cap avec le sprint. Oui, c'est bon, c'est touché. On est en train de tenir en vie avec le maître de Rekdarz. Là, au côté, dès qu'on prend le kill sur des raccoons. Et la fight n'est pas terminée. C'est bon, retour d'Enemy Squad. Absolument, le retour est utilisé avec le surchargeur d'Oriza qui va permettre de former un véritable. Ah, et c'est le crash. Et c'est la le pause. Crash, y'a pas que nous. C'est un faut que je baisse mon son tout de suite parce que j'ai le son ouais, d'Oriza qui tire en continu. J'ai coupé le son. Du fusil. Enfin, bref, l'ennemi qui revient, Sliders ici, qui a tenu le point à lui tout seul avec sa Triassor. Et c'est un peu son rôle, finalement, la Triassor, de gagner du temps pour son équipe. C'est ça, faire une espèce de tempo qui a permis à Cap de venir ainsi que Redguard, pardon, j'espère que tu l'as prononcé ce pseudo, qui va bien s'amuser, qui a permis en effet de pouvoir sustain de sa verve pour permettre ainsi à Kika de venir avec le surchargeur. Alors là, de ce que je peux assister en tout cas sur cette magnifique grande pause, c'est déjà voir que on a un formidable double kill de Cap dans le petit feat qui m'a l'air de chambouler la game. Si tu regardes pour il doit revenir au spawn. Il reste 0,5% en plus. C'est vraiment dommage. La Cosa qui n'arrive pas à finaliser la capture. Vraiment, Sliders ici et Cap qui font la différence en contestant au dernier moment. Ils peuvent pas tuer Cap parce que Rekdarz est en train de le soigner. Il était bien placé, Rekdarz. Il est resté à l'intérieur pour éviter de se prendre un hook facile. Andreus qui avait raté son hook. D'ailleurs, c'est pour ça que Rekdarz s'est senti plutôt en sécurité. D'accord, très bien. Maintenant, j'ai enfin la lumière sur ce qui s'est passé. Moi je vois pas l'instant, moi j'ai un Mikael Svat devant moi, c'est... Ah ouais, ça va, j'ai une belle vue d'ensemble là, je suis sur le payload tranquillement, installé. Ah ça va, évidemment. Arrêtez les cartes graphiques. Vous pouvez observer ce méca diva, du coup. D'ailleurs, bouge un petit peu de temps en temps. Enfin bon, je pense... Est-ce que tu penses que les Akko Squad peuvent quand même continuer à fight? Parce que si tu regardes Mio Dulti, il y a une coalescence qui arrive bientôt. Après, je crois que la Moira, elle s'est fait tuer par Cap, non? On a la coalescence, on a plus la Moira, je crois qu'elle est morte. Bah, elle est morte, tu pourras difficilement... En tout cas, elle est pas sur le point, là, je la vois sur le point, je pense qu'elle est au spawn. Par contre, tu vois qu'on a quand même, on a pas le KD, il y a le surchargeur en face qui va mettre la pression. Je pense que on va pas réussir à maintenir cette attaque. On va devoir reculer en tout cas à côté de Spad. Mais je pense que dans une petite minute avant la fin du compteur, on aura le temps de relancer un push qui pourra, je pense, permettre d'accomplir les derniers pushs. Ouais, c'est bon, on est arrivé avec un super soldat de Kika pour booster les dégâts de ce soldat. Et du coup, comme on l'avait dit, ça va tenir Sliders pour le nettoyage de Thorsten Bay qui va revenir au point de réapparition. Du coup, on en a déjà assez parlé de ce retake des ennemis. On a même pas eu le temps de charger l'ultime plus que ça. À côté Moira, on est toujours à 90%. On n'a pas ce ulti, c'est un peu dommage. On aurait pu relancer un push tout de suite, hein, quand on a carrément la destruction et quasiment le KD du côté Renard, du côté Akko Squad. En tout cas, on s'est repositionné côté ennemi. Bah, ils prennent des risques chez les Akkos pour passer. Ils ont la coalescence de près côté des Rakios et on va prendre le contrôle du café ici. On va le prendre sans sucre, s'il vous plaît, avec une petite coalescence au passage. Alors que les deux outils de support sont sécurisés côté ennemi, on va peut-être essayer de jouer autour. Sûrement. En tout cas, on commence à investir le point et c'est une perte du renard malheureusement rapide. Ça a été fait rapidement, on n'a même pas eu le temps vraiment de lancer du tir et d'assister au combat. Le renard est tout de suite tombé et suivi de près par Androius qui s'incline également avec son Rodog. Je pense que Dettenberg qui va perdre également. Oui, oh là là, double kill pour l'élève de feu. Elle est bien placée cette bombe de la part des SKO. Alors on a essayé de se réfugier dans le café côté à côté squad. Mais c'est vraiment Cap ici qu'il faut noter avec son soldat qui va d'ailleurs sniper depuis sa hauteur. Docteur ZBR qui n'avait perdu plus de méca sur cette diva et qui aura fait absolument tous les dégâts déjà à la moitié d'un viseur tactique. Sliders a toujours cette bombe à impulsion de prête, la coller sur un tissu support pour être dévastateur. Absolument, en tout cas on n'est pas là pour faire des... on n'est pas là pour enfiler des perles côté défenseur côté ennemi. On a bien vu hein, cette diva et soldats qui ont été impériales. Des éléments ne veulent pas laisser passer les Akko Squad. On est parti pour ce dernier teamfight.
Slider qui a collé la bombe directement sur L1, on a joué l'attaque du 2 qui a barré les deux filets hauteur avec le super charge dans le dégât colossal de la bombe de Bobby va sortir du partant justement. La connaissance de Terracute a été lancée, mais il y aura une constante pour bloquer ses dégâts. Le laser n'aura pas plus d'impact et il semblerait que ce sera un full hold pour les ennemis. Ce sera quand même bien revenu. 89,5%, c'est pas passé loin, mais encore une fois, ça prouve la véracité de ce formidable dicton. Hashtag never concede, ne jamais capituler, on peut toujours réussir à défendre. On a cru les avoir vus à terre et pourtant ils sont revenus entre les morts pour contester ce point à 99,5%. C'est une très belle défense qui a été exécutée. Moi je dis GG. Très propre ici la défense ennemie avec Cap. Cap qui a eu beaucoup d'espace finalement. Ça c'est grâce justement à Sliders. Et à FKO, qui sont du coup la Tresseur et la Diva. C'est vraiment leur travail principal dans une équipe, dans le genre de composition, c'est de créer de l'espace pour la backlane. Franchement, je trouve que ça a été fait avec brio, parce qu'une Quad Tank, finalement, ça peut pas vraiment sauter sur un soldat, ça peut juste le taper à distance, mais ils n'ont jamais réellement eu l'occasion de le faire. C'est ça, c'était un peu compliqué, on a eu du mal à s'imposer en tout cas. Notre attaquant, on a vraiment essayé de faire ses petits dégâts, mais ça n'a pas été suffisant. Et puis les boucliers, encore une fois, qui ont vraiment protégé ce soldat et l'ont permis de faire le maximum de dégâts et de pouvoir être utilisé à ses capacités maximales. Non, c'est un beau counter, visiblement. Je m'étais trompé, moi qui avais dit que ce serait une prise rapide. Je m'étais trompé. Mais en effet, c'est un peu dommage qu'on ait perdu la graviton sur la déconnexion de Hell 1. Ouais, effectivement, j'avoue qu'il avait sa graviton et cette déconnexion pose problème parce qu'un graviton aurait pu vraiment faire la différence avec une bombe de Torzberg qui sera sur un soldat 76 pour cette défense. Donc ouais, malheureusement les déconnexions ne redonnent pas d'ultime quand tu te reconnectes. Je trouve ça dommage. On perd toutes ses stats. Ouais, c'est pas rushé sur le serveur, c'est sur le client et le client dans ce cas-là il se met. Et voilà. Côté ennemi, on part en dive. Cap va prendre le rôle de la Varia Amari et Raga. Cela merci. Une composition relativement classique pour attaquer ce premier point d'Hollywood. Ils ont juste à le capturer en entier et la map sera sécurisée. C'est ça, bon 100% ça va pas l'air comme ça, mais on a bien vu qu'ils ont pas réussi côté à Cosmo. On a pas réussi à les faire à les 100%. À 0,5% pour rappel. En tout cas, côté Hellwan, on est positionné à droite, prêt à dégainer et à faire les premiers dégâts. On se positionne et c'est parti pour ce... Ouf, ce formidable tombe. Elle a pas vu venir cette roquette et là on doit se retrancher à l'intérieur du café. Le problème c'est qu'il y a un singe qui vous attend. On doit quand même aider la queue pour tenir en vie ces joueurs, mais on va faire notre nom HQ dans le processus. Absolument, Dagobert qui fait un double kill et qui ainsi permet à l'attaque de pouvoir respirer un peu plus et de pouvoir développer un gameplay un peu plus aérien. On a la para qui est en train de dominer les cieux avec sa ange. C'est fini. Divac s'installe sur le point. C'est contesté pour la Ana qui est tout à fait sur le point et qui n'est pas focus. Un petit travail de focus je pense. Et voilà, on commence à capturer la point et je pense que ouais, c'est fait. On va quand même essayer de recontester, ça ne ressemble sa manette que sur le point, accompagné de la pression de Edwards, Cap pour continuer à entraîner l'auteur et on perd le sens de Salmon HQ. Bataille de pression sur ce point, malheureusement L1 est tout seul. Est-ce que la Diva aura le temps de toucher le point? Oui, mais le Mecha ne sera pas le meilleur. Malheureusement non, mais Capels Bomb, la combo qui a été implacable et qui a permis ainsi à la team ennemie de récupérer ce dernier pourcent qui leur manquait. Ah, c'est dommage, hein, ça. À chaque fois ça se joue pas grand chose, on a vraiment des holds impressionnants à chaque fois qu'on joue. Alors qu'on va voir le play of the game de FKO. Le Thorzenberg. Double kill. Ouais, ça va être le double kill effectivement. Hop là. Mais le son n'aura pas suffi ici malheureusement. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce sera du coup la première game. La deuxième, ce sera en live sur le YouTube du coup. Donc on va séparer la VOD en deux. Et on se retrouve du coup pour Anubis. A tout de suite. A tout de suite.